Parler aujourd'hui de la femme de Lot. C'est dans Luc 17, le verset 32, qui dit ceci: souvenez-vous de la femme de Lot. Jésus parlait à ses disciples de la fin du monde, des événements qui allaient se produire et des comportements qu'ils devaient avoir face à ces événements. Juste après, il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Alors, qui est la femme de Lot? Et pourquoi Jésus demande aux disciples, pas aux païens, il demande aux disciples de se souvenir de la femme de Lot? Nous lisons dans Genèse 19, au verset 26, ce qui suit: « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » Son identité est liée à celle de son mari. Nous ne connaissons pas son nom, nous ne connaissons pas son origine, mais nous savons qu'elle vivait à Sodome avec son mari et avec ses deux filles. Lot, ayant quitté son oncle Abraham pour choisir les plaines de Sodome où il y avait de verts pâturages, il a quitté le ministère de son oncle. Il s'est enrichi sur le dos du ministère de son oncle. Il est resté là où il y a la prostitution, là où il y a la perversité, la souillure. Et Dieu a décidé de détruire cette ville. Son oncle a intercédé pour lui. Et par la grâce du Seigneur, Lot a pu sortir. Mais il y avait une recommandation: quitter la perdition, quitter le feu, à condition de ne pas regarder en arrière. Mais le passage nous dit ici que la femme de Lot a regardé en arrière et s'est changée en statue de sel. Lot n'a pas regardé en arrière. Les filles n'ont pas regardé en arrière, mais la femme de Lot a regardé en arrière. Et Jésus dit à ses disciples: souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de ce que la femme de Lot a eu à faire. Lorsqu'on lui a dit de fuir le feu, de ne pas regarder en arrière, elle a regardé en arrière, elle a regardé à sa maison, elle a regardé à ses richesses, elle a regardé aux biens matériels, elle a regardé à tout ce qui avait comme plaisir. Elle dit, je préfère retourner en arrière, alors que la destinée était devant, la vie qui lui était réservée était devant. Donc, en tant que disciples, le Seigneur Jésus nous exhorte, nous encourage, quelles que soient les difficultés, à ne pas rétrograder, à ne pas regarder en arrière. Épreuves, il y en aura. Difficultés, nous les traversons chaque jour. Défis, c'est notre lot. Mais le Seigneur nous encourage à persévérer, à ne pas regarder en arrière. Si tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, face aux épreuves, lorsque tu te sens rejeté, incompris, regarde toujours de l'avant, fonce, avance dans ta destinée. Quelles que soient les turpitudes de la vie, ne regarde pas en arrière. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Elle s'est changée en statue de sel. La statue ne bouge pas. Cette statue existe encore jusqu'à aujourd'hui. C'est pour dire que le regard en arrière nous amène toujours dans des situations compliquées, nous amène sur les sentiers de la mort. Cette rétrogradation nous éteint souvent. Nous devons faire extrêmement attention en tant que disciples, à l'image du Seigneur Jésus-Christ, à l'image du Maître. Nous devons aller jusqu'au bout. Jésus est allé jusqu'au bout. Il a dit, celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas digne du royaume. Donc, soyons dignes du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.